Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à faire ce petit bébé méduse. Si vous cherchez le patron de la maman méduse, vous le trouverez dans la description au bas de la vidéo. Vous allez également trouver d'autres informations comme le lien vers le patron écrit qui est gratuit pour les bébés, la liste de matériel, chaque tour en détail et plus encore. Donc assurez-vous de regarder la description au bas de la vidéo. Prendre note aussi que si je vais trop rapidement ou trop lentement pour vous dans la vidéo, vous pouvez changer la vitesse dans les paramètres en dessous de vitesse de lecture. Et finalement, prendre note que ceci n'est pas un cours de crochet, donc il faut au moins savoir comment tenir un crochet et tenir la laine avant de pouvoir faire ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos avant de faire ce tutoriel. Voici maintenant la liste de matériel que vous aurez de besoin. Alors, débutons maintenant. Donc, vous allez avoir besoin de votre laine ainsi que de votre crochet. Et on va débuter avec le tour numéro 1. Donc, pour le tour numéro 1, on va débuter avec un cercle magique. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire un cercle magique, vous pouvez sauter la vidéo et aller à 4 minutes 5 où je vous montre une autre façon de débuter la méduse sans faire de cercle magique. Mais sinon, voici comment je fais. Donc, je place mon brin de laine devant mes doigts et je fais un X autour de deux doigts, je tiens le X, je tourne ma main pour voir mes ongles et je place la laine entre mes deux derniers doigts ici. Je vais insérer mon crochet sous le premier brin, je vais venir agripper le deuxième brin avec mon crochet, je ressors en faisant un petit twist et je vais venir faire un jeté avec la laine qui était entre mes deux derniers doigts et je vais tirer au travers de la boucle qui était sur le crochet. Donc, c'est comme ça que moi, je fais mon cercle magique. Maintenant, on va être prêt à faire nos 6 mailles serrées dans le cercle magique. Alors, ça va être important de toujours insérer le crochet sous deux brins du cercle magique. Et vous allez voir que dans ce patron, je travaille avec le jeté en dessous. Donc, je vais vous montrer cette technique-là. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais je vais l'expliquer juste ici. Donc, j'insère mon crochet sous deux brins de mon cercle magique. Et je passe la laine sous le crochet. Donc, c'est un jeté en dessous. Je tire au travers pour avoir deux boucles sur mon crochet. Et ensuite, je vais faire un jeté par-dessus. Donc, un jeté régulier avec la laine qui va par-dessus le crochet. Et je tire au travers des deux boucles. Donc, ça nous fait une maille serrée. Je vais en faire un deuxième. Donc, j'ai un jeté en dessous. Et ensuite, un jeté régulier. Donc là, j'ai deux mailles serrées et je vais en faire 6. Je suis à 3. Quatre, cinq, six. Et là, je vais vous montrer comment je ferme le cercle magique. Alors, je vais tenir la dernière maille que je viens de faire avec une main. Et avec l'autre main, je vais tirer pour commencer sur les deux fils. Donc ça va me permettre de rapprocher les mailles ensemble. Et pour fermer le cercle magique, je vais tirer seulement sur mon petit fil de laine. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit, maintenant, je vais vous montrer une façon plus simple de commencer notre méduse sans faire de cercle magique. Si vous avez réussi à faire votre cercle magique, vous pouvez tout de suite sauter au tour 2 qui est à 5 minutes 53 secondes. Donc, sinon, on va commencer avec un nœud coulant. Je vais prendre mon petit brin de laine ici et je vais enrouler la laine autour de deux doigts en faisant un X. Je tiens mon X, je tourne la main pour voir mes ongles. J'insère mon crochet sous le premier fil, j'agrippe le deuxième, j'enlève les doigts et je peux tirer sur les deux fils de laine ici pour créer mon nœud coulant. Alors là, ce qu'on veut du nœud coulant, c'est que lorsqu'on tire sur le petit fil de laine, notre boucle sur le crochet va se serrer. Et lorsqu'on tire sur le fil qui est toujours attaché après notre balle, la boucle sur le crochet va lousser. Donc c'est ce que vous voulez pour débuter cette technique. Et ensuite, on va faire deux mailles en l'air. Donc, pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on tire au travers de la boucle. Donc là, j'ai deux mailles en l'air et je vais venir faire tout simplement mes 6 mailles serrées toujours dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc, dans celle-ci. Et je vais faire mes 6 mailles serrées dans cette chaînette ou dans cette maille en l'air.
Donc, je fais un jeté en dessous et ensuite un jeté par-dessus. Donc, ça me fait une maille serrée. Je repique exactement à la même place pour faire toutes mes prochaines mailles serrées. Donc, là, je suis à 3, 4, 5 et 6. Et là, tout ce qui nous reste à faire, je vais venir tenir le nœud avec une main et je vais tirer sur le fil avec l'autre main pour serrer cette maille en l'air. Donc là, on va être prêt à débuter le tour numéro 2. Donc pour le tour numéro 2, on va devoir faire des augmentations dans chacune des mailles de notre tour 1. Alors pour ça, je vais devoir trouver ma première maille à aller piquer mon crochet dedans. Et un petit truc que je peux vous donner, c'est de compter de la fin jusqu'au départ pour trouver notre sixième maille. Donc ici, j'ai ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je sais que je vais aller piquer mon crochet ici. Alors, je fais une première maille serrée dans cette maille. Et je vais venir placer mon marqueur de maille. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez toujours utiliser une bobépine ou même un petit fil de laine pour identifier votre première maille de votre rang. Et là, comme on fait des augmentations, on va refaire une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc, j'en ai déjà une ici. Je vais aller repiquer exactement dans la même maille pour venir faire une deuxième maille serrée. Alors ça me fait une première augmentation. Et nous, on veut en faire un total de 6. Donc, il devrait rester 5 mailles à travailler. Donc, vous pouvez les compter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on veut faire 5 autres augmentations. Alors, je vais dans la prochaine maille, je fais une maille serrée, je repique dans la même maille et je fais une maille serrée. Donc, ça, c'était ma deuxième augmentation. Troisième augmentation, je vais dans la prochaine maille. Je suis à 4. Cinq. Et il me reste une maille avant mon marqueur. Et je suis à 6 augmentations, ce qui nous donne un total de 12 mailles normalement. Et on veut toujours compter à partir de où est le marqueur. Alors, votre première maille est toujours la maille du marqueur. Et je suis bien à 12 mailles. Donc, ça, c'est parfait pour moi. On va pouvoir débuter le tour 3. Pour le tour 3, on va commencer avec une maille serrée. Donc, je retire mon marqueur. Je fais une maille serrée dans la prochaine maille. Je vais replacer mon marqueur. Et là, je vais faire une augmentation dans la prochaine maille. Alors, j'insère mon crochet dans la prochaine maille et je vais faire deux mailles serrées dans celle-là. Donc, ça, c'était une séquence qu'on a à répéter. Alors, ma séquence, c'est une maille serrée et ensuite une augmentation. Et c'est ce qu'on veut faire tout le tour pour le rang 3, le tour 3. Alors, j'en fais une maille serrée et ensuite une augmentation dans la prochaine. Une maille serrée régulière et ensuite une augmentation dans la prochaine. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation pour terminer. Et donc là, je suis à la fin du tour 3, j'ai terminé avec une augmentation et j'ai 18 mailles autour, toujours en comptant la première maille où est le marqueur. Alors là, on va débuter le tour 4. Et pour le tour 4, on va faire des mailles serrées tout le tour. Donc, on va garder le même nombre de mailles. Alors, je commence avec ma première maille serrée. Je vais venir replacer mon marqueur. Et puis là, tout simplement, comme j'ai dit, on veut faire une maille serrée dans chaque maille. Alors, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.
Alors voilà, puis là on voit que la tête commence à tourner un petit peu, c'est normal parce qu'on ne fait plus d'augmentation. Donc ça ressemble à ça. On va maintenant être prêt à faire le tour 5. En fait, le tour 5, c'est exactement comme le tour 4. Donc vous allez garder le même nombre de mailles, vous allez faire une maille serrée par maille. Donc vous allez toujours être à 18 mailles à la fin du tour. Je vous laisse le faire de votre côté. Je vais couper la vidéo, vous pouvez mettre pause, faire votre tour et on se rejoint à la fin du tour 5. Voilà, je suis à la fin du tour 5. J'ai mes 18 mailles autour et la tête ressemble à ça. Donc, je vais enlever mon crochet, je vais juste tirer un petit peu sur mon crochet pour donner du lousse à chaque fois que je retire mon crochet, puis on va être prêt à placer les yeux. Alors, pour placer les yeux, je vais garder mon marqueur à l'arrière parce que ça va être l'arrière de ma tête. Puis, je veux les placer entre les deux derniers tours, donc les tours 4 et 5. Et là, je vais juste insérer un premier œil entre deux mailles, comme ça. Et puis là, pour placer le deuxième œil, on va compter les espaces qu'il y a entre les mailles. Donc, si j'étire un petit peu plus mon projet, juste pour vous montrer, on voit ici les espaces entre les mailles. Donc, c'est comme ça que je vais identifier le nombre de mailles entre les deux. Et je vais compter 4. Donc, 1, 2, 3. Et je rentre dans la quatrième pour avoir, dans le fond, l'espace de 3 mailles serrées entre les deux. Donc, ça ressemble à ça comme ça. Puis là, tout ce qui nous reste à faire pour les sécuriser, c'est de mettre la petite partie de plastique à l'intérieur. Et on veut que ce soit la petite partie qui est plate, donc qui est pas bombée, qu'on met sur la laine. Donc, juste comme ça, ici, et je vais faire la même chose pour le deuxième œil. Voilà, donc maintenant nos yeux sont sécurisés. Ma méduse ressemble à ça, et on va être prêt à débuter le tour 6 maintenant. Alors, dans le tour 6, on va faire seulement des diminutions, et on va utiliser les brins arrière seulement. Normalement, quand vous crochetez, quand vous piquez votre crochet, vous utilisez les deux brins, donc vous piquez dans le V au complet. Mais là, pour ce tour-ci, on veut utiliser seulement un des deux brins, qui est le brin arrière. Donc, normalement, vous piquez comme ça, sous le V au complet. Mais des fois, dans certains patrons, comme celui-ci, on a besoin d'utiliser juste un brin. Ça, c'est mon brin arrière ici. Donc, c'est lui qu'on va vouloir utiliser pour faire notre tour 6. Et là, comme j'ai dit, on va faire des diminutions. Alors, je vais pas faire de diminutions invisibles. Si vous savez comment faire, c'est pas ça que je vais faire. Donc, je vais faire des diminutions régulières. Alors, vous pouvez juste me suivre pour voir ce que je fais. Alors, on va piquer le crochet en plein centre de la maille pour aller chercher seulement le brin arrière. Comme ça. Je vais faire mon jeté en dessous. Je tire au travers du brin arrière. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je vais aller tout de suite insérer mon crochet dans le prochain brin arrière. Je fais mon jeté en dessous. Je tire au travers et maintenant j'ai trois boucles sur mon crochet. Je fais un jeté régulier et je passe au travers des trois boucles. Donc ça me donne une première diminution et je vais venir mettre mon marqueur. Et là, je vais juste répéter ça tout le tour, donc pour avoir 9 mailles, 9 diminutions. Alors, dans mon prochain brin arrière, je fais mon jeté en dessous, je tire, prochain brin arrière, jeté en dessous, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté régulier et je passe au travers des 3 boucles. Donc là, j'en ai 3 diminutions. Cinq, six, sept. Huit,
et 9. Voilà pour le tour 6. Et maintenant, vous pouvez enlever votre marqueur et on va venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Alors, j'ai déjà pré-coupé ma laine, mais ne la coupez pas tout de suite. Venez insérer votre crochet dans la prochaine maille, donc dans le petit V ici, pour venir faire une maille coulée. Donc, j'insère, je fais un jeté régulier, je tire au travers de la maille et je tire au travers de la boucle sur le crochet pour faire ma maille coulée. Et là, vous allez pouvoir venir couper votre fil de laine et laisser environ 5 ou 10 cm, pas plus. Et on va tirer le fil au travers comme ça. Et voilà, donc la tête de notre méduse ressemble à ceci pour l'instant. On va la mettre de côté pour venir travailler sur les tentacules. Alors, on va avoir besoin de notre crochet et notre laine pour faire nos tentacules. Et on va débuter avec un nœud coulant. Donc, je vais répéter comment faire si jamais vous avez sauté cette étape au début. Alors, j'enroule la laine autour de mes deux doigts. Je passe sous le premier fil, j'agrippe le deuxième fil et je vais venir tirer sur mes deux petits fils ici. Donc, c'est un nœud coulant régulier. Et lorsque je tire sur le petit fil de laine, ma boucle sur le crochet va se serrer. Donc, c'est ce qu'on veut ici. Et là, pour nos tentacules, on doit en faire 8 au total. Il va en avoir 4 plus longs et 4 plus courts. Les 4 plus longs vont contenir 12 mailles en l'air. Donc, je vais en faire un avec vous. Alors, pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on tire au travers de la boucle. Donc là, j'ai 2 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça, ce serait un long tentacule. Je vais venir couper un tout petit fil de laine ici et je vais tirer le fil au travers. Comme ça. Je vais tirer fort sur mon fil pour serrer le nœud à la fin du tentacule et même chose au début. Donc, je viens tirer fort pour serrer la maille en l'air du début aussi. Donc, ça, c'est un long tentacule et pour le terminer, je vais juste simplement faire un nœud de plus à la fin du tentacule, comme ça. Donc, je fais mon nœud le plus proche possible de la dernière maille en l'air. Comme ça. Je tire bien fort et je vais venir couper le plus près possible de mon nœud. Donc, voilà. Ça, c'est un long tentacule. Et je répète. Donc, si je vous montre sur mon petit bébé, ça, c'est un long tentacule et j'en ai aussi des petits comme ça. Donc, nous, on va en faire 4 longs de 12 mailles en l'air et 4 courts de 8 mailles en l'air. Je vais vous laisser travailler de votre côté, puis on va se retrouver lorsque vous avez vos 8 tentacules de près. Voilà, alors j'ai mes 8 tentacules, j'en ai 4 longs et 4 courts. Et là, je vais vous montrer comment on va les attacher à la tête de notre méduse. Alors, on va utiliser notre crochet pour les attacher. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer le crochet dans les mailles du dernier tour. Mais là, ce que je veux faire, c'est que je vais sauter la maille où j'ai fait ma maille coulée. Donc, à la fin du tour 6, si vous vous souvenez, on a fait une maille coulée. Donc, c'est ma maille qui est ici. Celle-là, je vais la sauter. Donc, je vais aller dans la prochaine et je vais insérer mon crochet de l'intérieur de la tête vers l'extérieur. Je vais venir prendre un tentacule court. Je vais prendre le fil que j'ai ici, donc pas le côté avec le nœud, bien sûr, mais bien le côté où il y a un long fil. Je vais venir placer le fil sur mon crochet et je vais tirer au travers tout simplement. Comme ça. Là, je vais aller dans ma prochaine maille. Je vais insérer mon crochet de la même façon, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, je vais prendre un long tentacule et je vais l'attacher de la même façon. Donc, je vais juste tirer au travers de la maille. Puis là, j'ai mes deux fils ici comme ça qui ressortent. Ce que je vais faire, je vais venir faire un double nœud avec ces deux fils-là pour être sûr que c'est bien sécurisé. Alors, je fais un premier nœud et je serre vraiment très fort sans briser la laine quand même. Et là, je vais faire un deuxième nœud. Voilà. Alors là, j'ai deux tentacules d'attacher. Puis, je veux prendre le temps de faire ça à chaque deux tentacules. Donc, j'en attache deux et je fais un double nœud. Et je vais toujours dans la maille suivante.
Puis, je vais vous laisser travailler de votre côté pour attacher, les 8 tentacules, donc en prenant toujours un court puis un long et en faisant un double nœud. Ok, alors voilà, ma méduse ressemble à ceci pour l'instant. Et j'ai tous mes petits fils de laine qui dépassent et qui sortent du corps ou de la tête. Donc c'est pour ça que j'utiliserai pas de rembourrage ou de mousse pour bourrer ma méduse parce que je vais juste tout simplement rentrer tous les petits fils à l'intérieur de la tête comme ça en utilisant un doigt. Si jamais c'est trop serré, vous pouvez utiliser vos ciseaux ou votre crochet pour la rembourrer de cette façon-là. Comme ça. Puis assurez-vous de garder le petit fil de la maille coulée parce qu'on va l'utiliser pour fermer l'ouverture sous la tête. Donc, je vais utiliser mon aiguille pour faire cette étape-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les brins avant cette fois-ci. Donc, chacun des brins avant des prochaines mailles. Et vous pouvez vous aider avec les tentacules. Donc, normalement, il y a toujours une maille, un brin avant qui va être en ligne avec les tentacules. Donc, par exemple, j'en ai un là. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je vais aller utiliser le brin avant ici où j'ai fait ma maille coulée parce que je suis capable de le voir. Alors, je vais insérer mon aiguille de l'extérieur vers l'intérieur ou, si vous voulez, vers moi. Et plus loin de moi, donc près de moi vers loin de moi. Comme ça. Et je vais faire ça dans chacun des brins avant. Donc, près de moi, loin de moi. Ou si vous voulez, juste de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais faire ça tout le tour. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez vous aider en regardant où est votre prochain tentacule. Puis là, vous avez votre brin avant qui est en ligne avec. Alors, je fais juste ça tout le tour, comme j'ai dit, jusqu'à temps que j'arrive à mon nœud, qui était en fait ma maille coulée. Et là, je vais venir tirer sur mon fil pour fermer l'ouverture. Puis, si jamais il vous reste un petit trou, un petit espace comme moi ici, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour réduire ce trou. Donc, je vais juste venir chercher des petits, vous voyez les petits fils ici? Je vais essayer d'aller insérer mon aiguille en dessous de certains petits fils, juste comme ça. En dessous de peut-être 2-3 fils, je vais pousser mon aiguille et tirer. Puis là, vous allez voir, ça va réduire le trou. Comme ça. Voilà. Puis là, je vais venir cacher mon petit fil. Donc, je vais juste le passer quelques fois au travers de la tête. Alors là, je vais insérer en plein centre du trou. Je vais sortir dans la tête en 2 mailles. Je vais tirer mon aiguille. Je vais faire ça 2-3 fois. Donc, je retourne exactement dans la même maille. Et là, je ressors ailleurs dans la tête. Et je vais refaire ça une dernière fois. Donc, je rentre dans la même maille et je ressors ailleurs dans la tête. Et je vais pouvoir venir couper mon petit fil ici. Voilà. Alors là, je vais juste tirer sur les tentacules pour les placer plus droit, comme ça. Et si vous aimez votre méduse de cette façon, vous pourriez la laisser comme ça. Donc, vous pourriez arrêter maintenant si vous voulez, mais moi, je vais juste rajouter une petite bordure comme ça pour finaliser ma méduse. Alors, si vous voulez faire la bordure, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Alors, pour faire la bordure, on va avoir besoin de notre laine et de notre crochet. Et puis là, on va aller travailler dans les brins avant qui sont restés à la fin du tour 6. Donc, vous voyez ici, c'est les petits brins avant. Ça fait comme une ligne horizontale là, proche des yeux. Donc, tout ça ici, c'est des brins avant qu'on n'a pas utilisés parce que si on se souvient, lors du tour 6, on a fait des diminutions dans les brins arrière. Donc là, je vais insérer mon crochet du bas vers le haut dans le brin avant à l'arrière de la tête. Et c'est le brin avant qui est le plus haut. Et puis là, je viens joindre ma laine, comme ça.
J'ai mes deux petits fils là. Et puis, je vais aller insérer mon crochet dans le prochain brin avant. Celui, dans le fond, qui est le plus bas. Donc, j'ai juste inséré mon crochet. Je vais venir chercher ma laine, puis je vais venir faire une maille coulée. Donc, je tire au travers du brin avant et je tire au travers de la boucle sur le crochet. Là, je vais faire une maille en l'air. Donc, je fais un jeté, je tire au travers de la boucle sur le crochet. Et je vais revenir faire une maille coulée exactement dans le même brin avant. Donc, vous voyez ici, j'ai ma maille en l'air. Je vais retourner dans le même brin avant et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais venir faire deux mailles coulées, donc une dans les deux prochains brins avant. Alors, je vais aller dans la prochaine, je fais une maille coulée, ensuite je vais dans le suivant, dans le brin avant suivant, pour faire une deuxième maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais venir réinsérer mon crochet dans le même brin avant. Là, on va répéter ça tout le tour. Donc, maille coulée dans le prochain brin avant. Maille coulée dans le prochain brin avant. Une maille en l'air. Maille coulée dans le même brin avant. Maille coulée dans le prochain brin avant. Maille coulée dans le prochain brin avant. Maille en l'air. Maille coulée dans le même brin avant. Et là, j'arrive à la fin. Donc, il me reste une maille en l'air, maille coulée dans la même. Et là, je vais faire deux mailles coulées dans mes deux prochains brins avant pour terminer ma bordure. Voilà, comme ça. Là, je vais juste couper ma laine en laissant un tout petit fil et je vais tirer le fil au travers. Ça va me créer un nœud pour la dernière maille coulée. Voilà. Alors là, ça se peut que votre bordure ressemble un petit peu à ceci, comme si c'était une étoile. Alors juste simplement descendre la bordure pour que ça suive la forme de la tête. Comme ça. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cacher les deux petits fils qui sont à l'arrière de la tête. Puis je vais refaire la même technique que j'ai faite lorsque j'ai fermé le trou qui était en dessous de la tête. Donc, je vais rentrer le fil plusieurs fois dans la tête et couper par la suite. Et voilà, votre bébé méduse est complété. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et un commentaire sous la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous êtes sur Instagram, utilisez le hashtag AllFromJade et identifiez-moi dans votre publication pour que je puisse voir vos petits bébés méduses. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!